Mais t'es un ouf, venez pas à l'école, wesh. Mais tu vois bien qu'il y a consensus, là. Boulet. Alors moi je vous trouve un tout petit peu dur avec elle, parce que cette génération ils ont grandi avec les portables. C'est comme nous avec les bouquins. Mais alors, de toute façon c'est pas la peine de s'exciter, je vais finir par tège mon téléphone. Mais non, c'est... C'est les sommes, y'a plus personne sur Twitter, ceux qui restent ils font que parler de pain de mie ça me fait chier tu vois. C'est que pain de mie chimique... Attends, en plus regarde comment ils écrivent pain de mie. Mm-hmm. C'est abusé, ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Mais Victor déteste Twitter. Faux, j'ai des Twitter, j'aime ça. Toi t'as des Twitter. Oui j'ai des Twitter. C'est clair que c'est chimique, le pain de mie, mais dans ce cas-là on mange plus rien. À ce qui paraît, le surimi, c'est chimique aussi, mais c'est bon. Attends, alors, pandémie. Pardon? C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Quoi? C'est une putain de pandémie. Il y a une putain de pandémie. Une pandémie. T'es débile, toi, en fait. Une pandémie, c'est elle une pandémie. Débile, elle. Non, elle est débile, elle. Elle est débile. Elle a écrit pain de mie. C'est une pandémie. Il y a une énorme J'sais différence. Pas, c'est pas une pandémie, putain. Ça va.